Le prochain bloc, on va être vraiment sur une vision de l'organisation des services. Donc, on est parti très général, revenu sur des initiatives spécifiques. Et là, on va revenir sur comment est-ce qu'on met tout ça ensemble pour essayer de créer cette idée-là, de construire vraiment une vision avec des choses très concrètes sur l'organisation. Notre première présentation, ça va être Gabriel, qui n'a plus besoin d'introduction à ce moment-ci, qui va nous parler de comment les professionnels en milieu de garde peuvent s'impliquer pour soutenir le développement des enfants. Donc, Gabriel, c'est à toi. Merci Chantal pour la présentation. Effectivement, là, ce que je vous présente aujourd'hui, en fait, c'est les résultats de la recension des écrits que j'ai réalisé dans le cadre de mon doctorat. Donc, on y va sans plus tarder. Ce qui m'a porté à m'intéresser là, au rôle des professionnels dans les milieux de garde, c'est vraiment la conjoncture politique qui était vraiment très favorable au déploiement de nouveaux services en milieu de garde. Hein. On sait qu'il y a eu premièrement la loi qui visait l'amélioration de la qualité éducative, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de détections qui est faite par les éducatrices dans les milieux de garde, ce qui amène des nouveaux besoins dans les milieux. Et parallèlement à ça, on en parle depuis le début de la journée, il y a eu le déploiement d'interventions, ben, où il y aura le déploiement d'interventions précoces dans le cadre d'Agirto qui ne sont pas nécessairement réalisées uniquement en milieu de garde, mais qui amènent les CIS et les CIUSSS à revoir leur offre de service et qui amènent plusieurs idées en lien avec la pratique de proximité. On en parle depuis tantôt, quelques initiatives locales, l'ergothérapie communautaire, l'orthophonie communautaire. Et on le voit, le service des professionnels en milieu de garde ne porte pas seulement sur les interventions spécifiques pour certains enfants, mais vise beaucoup plus large, autant la promotion que la prévention et aussi une certaine part d'intervention, comme on l'a vu là, dans la présentation sur l'ergothérapie communautaire. Deux mots sur la méthodologie que j'ai utilisée. En fait, j'ai réalisé une revue de la portée qui visait à répondre à la question « Comment les professionnels non éducateurs peuvent-ils être impliqués en milieu de garde pour soutenir le développement des enfants de 0 à 5 ans? » Dans cette recension-là, le terme « professionnel non éducateur » visait vraiment à parler de spécialistes finalement qui ont une spécialité quant au développement de l'enfant et qui pourraient être appelés à offrir des services complémentaires en milieu de garde, par exemple les ergothérapeutes, les orthophonistes, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés. Mais je n'ai pas inclus là, toute la partie plus de services de santé généraux, donc ce qui concerne plus la vaccination ou les services de santé ou d'hygiène dentaire, par exemple. J'ai utilisé 4 bases de données entre 2000 et 2020 avec 3 groupes de mots-clés sur les milieux de garde, les professionnels puis le développement de l'enfant. Et faire état de l'ensemble des résultats que j'ai obtenus, je suis partie d'un cadre conceptuel sur l'offre de services en réadaptation de Guttenbrenner et je l'ai adapté là, pour diviser un peu là, les dimensions de l'offre de services qui sont intéressants à documenter quand on parle de services en milieu de garde. Donc, le modèle que vous voyez ici, où l'offre de services se divise en 7, où il y a les professionnels impliqués, les enfants ciblés, le mode de référence, le type de service, les stratégies de santé, le lieu où sont offerts ces services-là et la fréquence et la durée, le tout entouré là, du contexte des professionnels et le contexte des milieux de garde qui viennent influencer là, finalement les offres de services qui sont offertes dans le milieu de garde. Bon, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 de ces dimensions-là. Alors, on y va avec les professionnels impliqués. Ce qui ressort dans la littérature, c'est vraiment que la majorité des écrits ont été écrits en orthophonie. Donc, 55% des études recensées étaient en orthophonie. Quelques études avec des ergothérapeutes, des éducatrices spécialisées, des physiothérapeutes ou des équipes de réadaptation qui incluaient plusieurs de ces 4 autres professionnels-là. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans la majorité des cas, les études visaient des milieux où il n'y avait aucun service, un peu comme ce qu'on voit au Québec, et amenaient un projet de recherche pour tester l'effet d'un service. Dans seulement 34% des cas, les professionnels étaient embauchés par le système de l'éducation, dans 14% liés au système de santé, mais dans tous les autres cas, vraiment, c'était lié au projet de recherche parce que le milieu n'avait pas de service en place. Pour ce qui est du lieu des interventions, dans la littérature, ça se divise vraiment en 2. Il y a les services qui ont lieu à l'extérieur du local, qui sont beaucoup appelés les services en pull-out ou les services thérapeutiques. On prend l'enfant et on lui donne un service à l'extérieur du local et on le renvoie dans son local une fois qu'il a reçu son service.
Il y a aussi tout ce qui est les services en contexte. Et ce qu'on voit dans la littérature, c'est que c'est vraiment ce qui est à favoriser. Donc, d'offrir un service qui est dans le local, pendant la routine, les activités régulières de l'enfant dans le milieu. Parce que ça permet une plus grande généralisation des habiletés pour l'enfant. Et ça permet aussi aux éducatrices de recevoir un modèle. Et elles affirment qu'elles aiment beaucoup ça, voir le professionnel en action. Ça leur donne des meilleures pistes pour elles-mêmes. Pour ce qui est du troisième élément qu'on détaille aujourd'hui, les types de services, ça se divisait en deux. Les services directs qui sont offerts directement à l'enfant, qui peuvent être offerts soit en individuel ou en groupe, pour tout le groupe, là, par exemple, du CPE. Et l'autre côté, les services indirects qui sont offerts à l'éducatrice dans l'espoir, dans le but qu'elle intervienne auprès de l'enfant et que ça ait des impacts sur le développement de l'enfant. Ces services indirects-là sont divisés en trois. La première catégorie là, qu'on voit, c'est la consultation et la recommandation, où le professionnel se pose vraiment en expert qui va donner une recommandation à l'éducatrice pour l'aider à cheminer. On voit aussi la formation, où le professionnel va enseigner à plusieurs éducatrices à la fois de la théorie. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la formation est très peu utilisée seule dans les écrits parce que c'est bien reconnu là, dans la littérature en petite enfance que d'offrir une formation seule à des éducatrices n'a pas un impact sur la pratique. Donc, c'est souvent, on le voit souvent, jumelé avec des pratiques de coaching ou de rétroaction individualisée où le professionnel va se poser en accompagnateur, un peu comme on l'a vu dans l'ergothérapie communautaire, pour l'éducatrice qui souhaite qui a un regard critique sur sa pratique et qui souhaite développer des nouvelles habiletés. Donc ça, c'est vraiment un mix formation-coaching qu'on voit souvent dans la littérature. Par contre, pour ce qui est des mix de types de services, souvent les études vont parler d'un seul mix, mais moi, je m'intéressais à comment conceptualiser là, l'ensemble de ce type de service-là pour offrir quelque chose qui se tient au milieu. Dans la littérature, il y a très peu de modèles qui ont été développés qui intègrent tous ces concepts-là. Il y en a un qui est intéressant, celui de Jackson, qui a été développé aux États-Unis et qui balise le rôle des orthophonistes en milieu de garde. Il se base là, sur le modèle à trois niveaux qu'on a vu là, dans l'ergothérapie communautaire, qui est aussi celui qui est utilisé beaucoup en milieu scolaire, hein, que je vous ai mis dans le bas ici, le modèle de réponse à l'intervention avec des interventions universelles, des interventions supplémentaires quand on ne répond pas à l'intervention et des interventions plus spécialisées. Le modèle de Jackson utilise cette pyramide-là et l'intègre dans son parapluie qu'on voit en haut pour chacune des activités où il propose une gradation selon le besoin de l'enfant pour l'évaluation, pour l'intervention, pour la planification d'activités. Donc, sur cette petite présentation, je dirais que les messages clés sont vraiment l'idée qu'il y a actuellement une conjoncture politique qui est favorable au déploiement de services professionnels en milieu de garde et que la littérature nous apporte comme piste que les interventions peuvent être assez variées, mais qu'on favorise quand même les interventions qui sont en contexte et indirectes, mais que globalement, il y a peu d'écrits qui nous amènent des recommandations claires sur comment on devrait offrir ces services-là, ce qui est intéressant, c'est vrai, ça pourrait être d'approfondir là, certains modèles comme le modèle de Jackson pour les adapter au contexte, par exemple, au milieu de garde du Québec et aussi au contexte multidisciplinaire, comme on parlait depuis tantôt. Les enfants ont des besoins qui sont variés, qui impliquent plusieurs professionnels, donc de voir comment ces modèles-là peuvent intégrer cette complémentarité des rôles. Voilà. Merci beaucoup.